Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais vous donner 3 secrets pour devenir rentable en trading. C'est parti. C'est quoi? C'est backtester. Backtester, c'est un secret indispensable pour tout trader qui veut atteindre la rentabilité en trading. Backtester, la plupart des gens ne savent pas en fait comment backtester. Beaucoup vont simplement oublier le MetaTrader 4. Et voilà, si par exemple ils utilisent une stratégie basée sur les supports et résistances, ils vont seulement faufiler en arrière et voir, voilà, ici il y a un support qui a été testé. Si j'avais pris une position ici, ça allait marcher. Ou bien ils se disent que ici il y avait une résistance qui a été testée. Si j'avais pris une position ici, ça allait marcher. Donc, beaucoup, quand ils travaillent avec une stratégie, c'est simplement comme ça qu'ils font entre griffes leur backtest. Alors que peu importe la stratégie que vous utilisez, avant même d'appliquer la stratégie, en trading réel, avant même de trader réellement avec la stratégie, vous devez vous assurer que la stratégie a un taux de rentabilité élevé, a un win rate élevé qui est capable de faire de vous un trader rentable. Et pour savoir cela, vous devez obligatoirement backtester. Et ce que je vous recommande pour les backtests, c'est TradingView. Vous partez sur TradingView, vous allez voir l'outil replay en haut et vous cliquez dessus. En général, ils vont vous demander un abonnement. Donc, vous utilisez l'abonnement, ça ne dépasse pas quelque chose de 15 euros le mois et ça vous permet de backtester normalement, de ramener carrément le graphique en arrière, disons. Ramener par exemple le graphique en janvier 2022 ou 2021 et ça vous permet de regarder les différents setups, qu'est-ce qu'il y a en H4, qu'est-ce qu'il y a en H1, qu'est-ce qu'il y a en D1, descendre sur les petits time frames, est-ce qu'il y a une confirmation. Voilà, est-ce qu'il faut prendre la position, où est-ce que je dois placer mon stop loss, où est-ce que je dois placer mon take profit, et ainsi de suite. Vous regardez le résultat, vous notez le résultat et vous passez au trade suivant, et ainsi de suite. Vous faites ça plusieurs fois, et à la fin, vous regardez combien de trades gagnants vous avez eu, combien de trades perdants vous avez eu. Est-ce que si vous appliquez ça sur un marché réel, ça vous permet de gagner de l'argent à la fin. Donc ça, c'est le tout premier secret, backtester. Et c'est quelque chose qui va littéralement vous donner une bonne maîtrise de la stratégie et vous donner une bonne psychologie. Moi, j'ai eu à backtester énormément. Beaucoup de gens, quand on dit travailler en trading, ce n'est pas simplement s'asseoir et regarder le graphique. Le vrai travail, c'est au niveau du backtest. Et moi, j'ai eu à backtester. J'avais rien d'autre à faire à part backtester. Je me lève le matin, je backteste du matin jusqu'au soir et la nuit aussi, je fais pareil. Et c'est ça qui m'a permis d'évoluer très vite. Parce que si tu dois trader sur un marché, tester ta stratégie sur un marché réel, c'est lent. Donc, mieux vaut sur le backtest, tu analyses, tu regardes le résultat sur place et tu passes au prochain. Deuxième secret que beaucoup savent déjà, c'est tenir un journal de trading. Les amis, sachez une chose,
vous ne pouvez pas améliorer ce qui n'est pas mesurable. Pour améliorer quelque chose, il faut d'abord que cette chose-là, vous mesurez la chose. Si vous voulez améliorer la quantité d'eau qui est dans un bocal ou quoi que ce soit, il faut que vous sachiez d'abord quel est le niveau de l'eau, quelle est la quantité de l'eau qui est déjà là-bas pour améliorer. C'est pareil. Pour améliorer votre niveau de rentabilité, améliorer votre niveau en trading, vous devez tenir un journal de trading. Le journal, c'est pour faire quoi? C'est pour noter vos trades avant et après, vous notez les résultats qui vous ont permis de prendre le trade à la fin. Vous notez le résultat du trade et surtout, vous posez la question suivante. Quelle leçon je peux tirer sur ce trade-là? Quelle erreur j'ai eu à faire? Donc, vous notez les erreurs et vous tirez des leçons avant de passer au trade suivant. Et chaque week-end, vous revenez sur votre journal de trading, vous revoyez vos erreurs, vous revoyez les leçons que vous allez tirer et vous faites en sorte de ne plus répéter les mêmes erreurs par la suite. Sinon, si vous n'avez pas de journal de trading, même si vous faites des erreurs, vous ne saurez pas. Et si vous ne savez pas que vous faites des erreurs, il est logique que vous continuez à commettre les mêmes erreurs et donc de continuer à toujours avoir le même niveau que vous aviez. Donc pour évoluer, pour voir vos résultats s'améliorer, vous devez obligatoirement tenir un journal de trading. Et là aussi, ça vous permet chaque mois de regarder votre niveau de rentabilité par rapport au mois passé. Chaque trimestre, vous regardez, chaque année, vous regardez, vous contrôlez tout et vous faites en sorte surtout de ne plus répéter les mêmes erreurs. Troisième secret, troisième et dernière, la méditation. Vous savez, on dit que le trading, c'est 90% de psychologie. Vous devez apprendre à être calme. Vous devez apprendre à bien gérer vos émotions. Et quoi de mieux pour apprendre à bien gérer ses émotions que la méditation? Vous devez apprendre à méditer. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont vous enseigner, qui vont vous dévoiler comment bien méditer et tout. Donc, vous regardez cette vidéo et vous apprenez à méditer. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une bonne psychologie. Et voilà, si vous avez une bonne psychologie, si vous arrivez à rester calme, à mieux gérer vos émotions, il est clair que vos résultats en trading vont nettement s'améliorer. Donc, c'était les trois secrets que j'avais pour vous dans cette vidéo. Rendez-vous dans une éventuelle prochaine vidéo.